Non, ce qui va arriver à Dadis Camara, ce sera du jamais vu. Il a passé tout son temps à humilier les gens. Il humilie le ministre. Il a humilié Joseph Antoine Bell. Même Roger Mila qui est couché derrière lui aujourd'hui, là, il l'a humilié autrefois. Donc vraiment, pour moi, voilà quoi, je n'ai aucune espèce de compassion pour lui. S'il avait été à la place de Mbappé, il aurait fait pareil. Parce qu'il n'aime pas que la lumière touche quelqu'un d'autre. Et tu as vu la photo où on voit Franck Béa, Ngannou, Mbappé. Tu vois, c'est une belle photo. Les gens sont calmes, entre gens civilisés. S'il était là à côté, il allait chercher moi, je suis, j'ai. Non, non, non. Ce type-là, il ne vaut pas la peine. C'est dommage. C'est dommage parce que, tu vois, c'est l'une de nos meilleures. C'est la plus grande superstar que le Cameroun a jamais connue. Mais regarde comment il va finir. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal pour lui. C'est-à-dire que la plus grande superstar qu'on a jamais connue dans ce pays. Je ne connais pas quelqu'un qui a le niveau, c'est-à-dire que le niveau de, qui a eu le niveau de rayonnement qui est celui de Samuel. Mais regarde comment il est en train de finir. À cause des petites choses. Des petites choses. Toujours dans des petites choses, des petites choses. Dis à Tchoki Tchok qu'on a chassé le mal élevé. Parce que c'était une affaire entre personnes civilisées. On ne voulait pas quelqu'un qui est mal élevé au milieu des gens qui sont tranquilles, sympathiques, humbles et tout ça. Et ce n'est que le début de ses problèmes. Il sera humilié désormais chaque jour. Il a passé son temps à humilier les gens. Maintenant, on va aussi l'humilier.